Yo, bande de Roger. Ici le Matt. On se retrouve pour les jeux random. Aujourd'hui, en présence d'une boule de Mercure. Quoi que ce soit d'autre que ce soit. Heli Heroes, comme vous l'aurez vu sûrement dans le titre et l'image. Un jeu random des plus... random. Je ne sais vraiment pas, au bout d'un moment, comment on a pu retrouver autant de déchets dans ma bibliothèque Steam et autres bibliothèques de jeux que j'ai sur mon PC. Mais ça fait partie des choses de la vie qu'on ne comprendra jamais. Comme cette petite intro de d'engrenage. Alors au début, là pour l'instant, on est un petit peu en mode waouh, petite intro, il y a des boîtes qui ont fait ça, des boîtes qui ont des noms, tu vois, Reality Pams, Games Development Studios Presents. Là tu as une cinématique avec des hélicos et tu te dis, bon. Pourquoi pas, il a l'air vieillot, c'est en 16/9 écrasé, mais ça a l'air pas mal. Peut-être, je sais jamais, ça tourne en 1080. Foutaise. Foutaise. Voilà, déjà le menu te donne envie de gerber, parce qu'ils se sont dit, on va mettre un putain de truc en 3D bien effet, et on va le faire tourner à une vitesse dégueulasse pour que le mec, si jamais il a pas compris que c'était un jeu d'hélico avec des pales qui tournent, on va le faire gerber. Voilà, c'est nickel. Donc, sans plus attendre... On va faire une vidéo courte là-dessus, je vais vous faire une présentation rapide et efficace. Bon, les petites touches, c'est toujours sympa de les préciser. Vous étiez hors de combat pour un bon moment. Doublé en français. Vous n'êtes pas trop rouillé car nous avons encore beaucoup de travail pour vous. Très bien. Mais avant que nous vous envoyions en première ligne, nous devons améliorer votre esprit combatif. Très bien, l'esprit combatif. C'est inévitable. Sinon, ils vont faire du HC avec vous. Ah, on doit faire des UHC avec vous. Très bien, on va faire des UHC. Allez, ta gueule. De toute façon, j'ai pas que ça à foutre. Donc là, le petit jeu, voilà. Donc on contrôle avec les flèches, on regarde. C'est très rigolo. Voilà, on dirait qu'il a la dyslexie, un peu le. Et tu tires avec contrôle. Merde, voilà. Contrôle et mage. Donc ça reste toujours rigolo. Hein. Alors, certes, pour un jeu. Comment dire. Pour un jeu fait par des indépendants. Bon. Je veux bien. Mais. Comment il a pu se retrouver ce style? Et. Comment ? Ah, à moins qu'il soit très vieux et qu'on ne fasse pas mieux à l'époque, mais là, les montagnes, je suis désolé, mais niveau texture, ça fait longtemps qu'on sait faire mieux. À moins que. Alors, je vérifierai la date du jeu, mais il m'a l'air très très vieux comme ça. Hein. Je ne juge pas, pas le moins du monde. Bon, alors, certes, ça peut être marrant, tu vois, tes potes rigolos, tu dis, on va jouer à Heli Heroes, dans le plus grand des cas. Bon, voilà. Mais ça reste très peu drôle, faut le dire. C'est un jeu random, pas tout, voilà. Il y a un petit effort quand même, mais voilà. Certes, je critique, hein, mais... C'est juste que, par rapport à des triple A... Maintenant, détendre son esprit. Oh putain, détends ton esprit, gros. Mission accomplie. Oh, la façon dont c'est écrit, on dirait un putain de PDF. Pas de PDF, désolé, de PowerPoint, voilà, PowerPoint. Donc après, vous vous dites, bon... Il y a nette compétition, qu'on ne fera pas en vidéo bien évidemment, qui voudrait dire sûrement peut-être multijoueur en ligne, mais on n'est pas sûr, du coup on va pas cliquer dessus. Mais tu te dis, peut-être j'ai envie de jouer avec mon pote, du coup tu peux jouer un joueur double. Là, maintenant ça commence à devenir intéressant. Voilà, là ça va devenir intéressant. Comme précédemment, vous devez voler vers la seconde base. Oui, bah les couilles. Du coup, là vous pouvez encore jouer avec votre pote, du coup c'est génial, vous contrôlez les deux machins. Bien évidemment, je suis tout seul, hein. Pas déconner. Voilà. Donc vous jouez tout seul avec toujours le petit mage. Alors attends, mage, ouais, mage. Toi c'est quoi là? Attendez. Parce que sinon je vais me cracher un petit peu. C'est quand même pas si facile de jouer avec les deux en même temps. Donc l'autre, les touches, c'est... Et les renforts. Et renforts, ouais, ta gueule. 2 minutes. Donc, comment on tire avec l'autre? Ah c'est bon, j'ai trouvé comment on tire. Hop, là on va le laisser faire ça tout le temps. Voilà, hop, prends le bonus, le rouge. Tac, 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 le jaune, hop. Regardez, ils se sautent par-dessus. C'est vraiment des conducteurs de folie. Hop, ils peuvent même rester en escalade, comme ça, c'est... bien. Oui, plus, toujours plus. Regarde, plus. Alors, je sais pas si on peut le défoncer. Est-ce que tu peux exploser pour voir s'il y a un peu de Michael Bay? Non, tu peux pas exploser. Regarde. Hop. C'est très Michael Bay hein, dans l'idée. Hein. Vous pouvez même faire exploser des palmiers. Je sais pas si vous avez vu. C'est-à-dire que les palmiers sont explosifs, tout simplement. Ouais, tu es incroyable. Regarde, regarde. Hop, j'ai niqué le jeu, moi. Ah. Ah, on a niqué Rodrigo. Ah, et il revit. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc on voit le temps en haut. Avec
Et j'ai l'impression que cette vidéo a déjà perdu tout son intérêt. J'espère que vous avez passé un bon moment. De toute façon, ça finira dans 150 secondes tout du moins. Toujours plus de jeux random pour vous. Je vais tous les faire d'un coup. Je vous l'ai dit, là, j'en tourne un paquet. Autant que je peux. Je veux supprimer ces jeux de ma console parce que je veux garder que la crème de la crème. Mais au moins, j'ai, j'ai la conscience tranquille de les avoir testés au moins une fois. Hein ? C'est quoi cette voix ? Attendez. Il faut que je la refasse cracher, il faut que j'entende cette voix. Je coule trop vite. Mon dieu, ces doublages. Au moins, vous auriez pu inviter des Anglais à le faire, même si vous êtes une boîte française, je sais pas. Ça doit être trop vieux pour moi. Bon. Allez, on va accélérer la cadence. Boost ? Où est le boost ? Plus de boost ! Oh là là, plus rien à faire. Je vous invite déjà à cliquer sur tous les boutons que vous avez envie. Il y en a plein partout sous la vidéo. Hein. Si vous aimez, bah vous aimez. Si vous aimez pas, bah vous aimez pas. Mais dites-moi pourquoi. Je sais déjà pourquoi vous aimerez pas, c'est pas grave. Si vous voulez vous abonner, bah ça m'étonnerait que vous abonniez sur ce genre de vidéo. Si vous le faites, vous êtes vraiment un taré. Et enfin, pour finir cette propagande, bah explorez les liens qu'il y en a dans la description. Voilà. Ce jeu est tellement vide que je suis obligé de combler avec mes... Avec mon but. C'est un peu bizarre, mais c'est pas ça. Ah, c'est pas fini? Bon, ça m'a saoulé. Je vous dis à la prochaine. Plein pour plein de jeux de random. Je vais essayer de faire les par paquets parce que c'est chiant de faire plein de vidéos différentes. Monte. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus. Veux quelqu'un me libérer d'ici? À plus.